Après la glorieuse victoire d'Orléans qu'elle avait promise, Jeanne est impatiente de faire sacrer Charles afin qu'il soit officiellement couronné roi de France. Elle souhaite absolument que Charles entre à Orléans et que de là, il entreprenne son voyage vers Reims. Elle retourne alors à Blois le 9 mai 1429 avec Jean de Dunois pour y rencontrer Charles, mais ce dernier ne vient pas non plus ici. Ne voulant plus attendre son arrivée, Jeanne décide d'aller directement le retrouver à Tours. Entre-temps, Charles apprend la victoire d'Orléans et fait envoyer une lettre pour l'annoncer à tous les royaumes. Tout en faisant louer et remercier Dieu, il écrit « Vous ne pourriez assez honorer les vertueux faits et choses merveilleuses que l'on nous a rapportées et aussi de la pucelle qui a toujours été en personne à l'exécution de toutes ces choses. » La réputation de Jeanne va alors considérablement s'accroître. On parle d'elle même jusqu'en Italie et en Allemagne. Jeanne rencontre finalement Charles le 13 mai dans son château. Elle y est accueillie avec tous les honneurs. Mais Charles ne semble toujours pas pour autant pressé d'aller recevoir la couronne qui lui revient de droit légitime. Jeanne ne se décourage pas pour autant et préfère alors prendre les devants pour la suite de la campagne. Et le 14 mai, elle se rend à Saint-Florent-les-Saumur pour y retrouver le duc d'Alençon. Il n'avait pu combattre à Orléans, car ayant été fait prisonnier, puis relâché contre une partie de sa rançon, selon les règles de la guerre, il avait dû terminer de la payer avant de repartir au combat. Maintenant acquitté de ses dettes, Jeanne souhaite qu'il reprenne part à la reconquête. En vérité, quand je quittais ma femme pour venir avec Jeanne à l'armée, ma femme dit à Jeannette qu'elle avait grande peur pour moi et que j'avais été jadis prisonnier et qu'il avait fallu donner tant d'argent pour mon rachat qu'elle m'eût volontiers supplié de rester. Jeanne lui répondit « Dame, n'ayez crainte, je vous le rendrai sain et sauf et en un tel état ou en meilleur qu'il n'est. » Le duc d'Alençon remarque que Jeanne est pressante et s'attriste encore de ne pouvoir mener à bien sa mission au plus vite. Il semblerait, en effet, qu'elle ait reçu de ses voix une nouvelle prophétie la concernant. Si elle montrait tant d'empressement, c'est qu'elle savait et qu'elle répétait volontiers qu'elle ne durerait guère. Un an peut-être, ou guère plus. Dans le courant du mois de mai, le dauphin est à Loches. Depuis un certain temps, Charles y tient des conseils, car il ne sait toujours pas quelle décision prendre. Aller directement se faire sacrer à Reims, ou bien attaquer la Normandie, fief de l'occupation anglaise. Je me souviens que quand le roi était au château de Loches, j'allais avec la pucelle après la levée du siège d'Orléans, et tandis que le roi était dans sa chambre, dans laquelle était avec lui le seigneur Christophe d'Harcourt, l'évêque de Castres, confesseur du roi et le seigneur de Trèves, la pucelle, avant d'entrer dans la chambre, frappa à la porte, et sitôt entrée, se mit à genoux, et embrassa les jambes du roi. Noble dauphin, ne tenez pas davantage tous ces conseils, si nombreux et si longs. Venez donc au plus vite à Reims prendre la couronne à laquelle vous avez droit. Christophe d'Harcourt lui demande : Est-ce votre conseil qui vous dit cela ? Oui, et je reçois pressant avis à ce sujet. Mais Christophe d'Harcourt semble méfiant ou curieux vis-à-vis des voix de Jeanne et veut en savoir plus. Il lui demande : Voudriez-vous dire ici, en présence du roi, comment fait votre conseil quand il vous parle ? Jeanne est hésitante et rougit, car elle n'aime pas trop parler de sa vie spirituelle. Alors Charles l'encourage encore à parler et lui dit « Jeanne, vous plaît-il de bien dire ce qu'il demande en présence de ceux qui sont ici ?»« Je vois assez ce que vous voulez savoir et vous le direz volontiers. Quand quelque chose ne va pas, parce que l'on ne veut pas s'en remettre facilement à moi, de ce qui m'a été dit de la part de Dieu, je me retire à part et je prie Dieu. Je me plains à lui que ceux à qui je parle ne me croient pas facilement. Et ma prière faite à Dieu, j'entends une voix qui me dit « Va, 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 je serai à ton aide, va !» Quand j'entends cette voix, je ressens une grande joie et je désire toujours être en cet état. Ce qui est plus fort en répétant les paroles de mes voix, c'est que j'en exulte de merveilleuses façons. C'est ainsi que Jeanne décrit comment, entre paix et joie, elle entre dans une forme d'extase spirituelle lorsqu'elle communique avec ses voix. Nombreux sont les saints qui ont décrit le même type d'état. Il semble que Charles trouve dans ce touchant témoignage quelque chose de convaincant.
Je me souviens que les seigneurs de sang royal voulaient que le roi aille en Normandie et non à Reims. Mais la Pucelle a toujours été d'avis qu'il fallait aller à Reims afin de consacrer le roi, et elle donnait la raison de son avis, disant « Une fois que le roi sera couronné et sacré, la puissance des adversaires diminuera toujours et ils ne pourront finalement nuire ni à lui ni au royaume. » Tous se rallièrent à son avis. Mais avant d'aller à Reims, il faut libérer les points stratégiques de la Loire. Charles va donc faire rassembler une nouvelle armée pour débloquer les passages importants, et le premier objectif sera la libération de Jargeau, où le capitaine anglais de Suffolk s'est réfugié avec ses troupes. Jeanne quitte Loches et arrive dans le secteur de Selles-sur-Cher le 29 mai. Le 2 juin, elle s'y installe en vue de la préparation de l'armée qui s'assemble pour l'instant à Saint-Aignan-sur-Cher. Charles confie le commandement de l'armée au duc d'Alençon et Jeanne sera à ses côtés pour le conseiller selon ses inspirations divines. Elle veille à tous les préparatifs, fait rassembler le personnel et les troupes dont elle exhorte, comme à son habitude, à une bonne attitude morale et chrétienne. Jeanne fait la rencontre de Guy de Laval, baron de Vitré, seigneur de Lauréac et de son frère André. Ces deux chevaliers, tous deux descendants de Duguesclin, se sont joints à l'expédition pour repousser l'ennemi. Dans une lettre à sa mère, Guy de Laval raconte comment il a rencontré Jeanne. Il semble l'admirer, car elle lui fait une forte impression. Il écrit la lettre suivante. « Le lundi, je partis de chez le roi pour venir à Selles-en-Berry, à 4 lieues de Saint-Aignan. Et le roi fit venir au-devant de lui la Pucelle qui était auparavant à Selles. Et certains disaient que cela avait été en ma faveur pour que je la visse. La Pucelle fit très bon accueil à mon frère et à moi, armés de toutes pièces, sauf la tête, et tenant la lance en main. Et après que nous fûmes descendus à Selles, j'allai à son logis la voir. Elle fit venir le vin et me dit qu'elle m'en ferait boire bientôt à Paris. Cela semble chose toute divine de son fait et de l'avoir entendue. Elle partit ce lundi à Vêpres de Selles pour aller à Romorantin, à 3 lieues en avant. Et je la vis monter à cheval, armée tout en blanc, sauf la tête, une petite hache en sa main, sur un grand coursier noir, qui, à la porte de son logis, se démenait très fort, car il souffrait qu'elle le montât. Alors elle dit « Menez-le à la croix !» La croix était devant l'église, au pré en chemin. Et alors elle monta, sans qu'il ne bougeât, comme s'il fût lié. Et alors elle se tourna vers la porte de l'église, qui était bien proche, et dit « Vous les prêtres et gens d'église, faites processions et prières à Dieu. » Et alors elle se retourna à son chemin, disant « Tirez avant, tirez avant !» Avec son étendard déployé, que portait un gracieux page, et sa petite hache en main, et son frère qui est venu depuis 8 jours, partait aussi avec elle, tout armé en blanc. La Pucelle m'a dit en son logis, lorsque je suis allé la voir, qu'elle avait envoyé à vous, mon aïeul, un bien petit anneau d'or, que c'était bien petite chose, et qu'elle vous eût volontiers envoyé mieux, considérez votre renom. Jeanne repart ainsi pour Orléans et arrive sur place le 9 juin. L'armée française commandée par Jean d'Alençon se regroupe ici. Plusieurs milliers d'hommes sont ainsi rassemblés et les effectifs atteindront 6000 hommes lorsque Gilles de Rais arrivera également avec de nouveaux renforts 2 jours plus tard. Alors qu'il est à Orléans, le duc d'Alençon inspecte les ruines des bastilles anglaises. Je crois qu'elles ont été prises plutôt miraculeusement que par force d'armes. Principalement la Bastille au bout du pont et la Bastille des Augustins, dans laquelle j'aurais moi-même osé me défendre durant 6 ou 7 jours contre toute puissance d'hommes d'armes, et il me semble qu'elle n'aurait pas été prise. D'après ce que j'ai entendu par les gendarmes et capitaines qui se trouvaient à la bataille d'Orléans, ils attribuaient presque tout ce qui a été fait à un miracle de Dieu, et ces choses n'avaient pas été faites par œuvre humaine, mais provenaient d'en haut. Jean d'Alençon voit en Jeanne une chef de guerre et une sainte. Les deux compagnons d'armes s'entendent très bien. Jeanne l'appelle d'ailleurs le beau duc ou le gentil duc. Sous leur influence, l'armée française a le moral haut et se renforce chaque jour. De leur côté, les Anglais, bien qu'un peu secoués par la cuisante défaite d'Orléans, ne comptent pas lâcher l'affaire si facilement, et sous les ordres du duc de Bedford, ils se réorganisent
et rassemblent leurs forces, reconstituant ainsi une armée avec les vétérans de la bataille d'Orléans, dirigée par William de la Pole, comte de Suffolk, à laquelle se joindra bientôt le renfort important d'une nouvelle armée qui arrivera par Janville. Le 10 juin, Jeanne, précédée de son étendard porté par Louis de Coutts, sort d'Orléans et part à la tête d'une petite armée en direction de Jargeau, avant que les renforts anglais commandés par Falstaff n'arrivent sur place. Les gens du roi furent réunis jusqu'au nombre de 600 lances, qui désiraient aller à la ville de Jargeau, que les Anglais tenaient occupée. Et cette nuit-là, ils couchèrent dans un bois. Au lendemain, vinrent d'autres soldats du roi que conduisait le seigneur Bâtard d'Orléans, et le seigneur Florent d'Illier, et quelques autres capitaines. Une fois tous réunis, ils trouvèrent qu'ils étaient environ 1200 lances. Le détachement français arrive la nuit à Jargeau, qui est défendu par une garnison de plus d'un millier d'hommes d'élite anglais, dirigés par le comte de Suffolk. Il s'agit pour la plupart de combattants aguerris. La place forte est donc bien défendue. Il y eut alors débat entre les capitaines, parce que les uns étaient d'avis qu'il fallait donner assaut à la ville. Les autres de l'avis contraire, assurant que les Anglais avaient là une grande puissance et se concentraient en grand nombre. Jeanne, voyant qu'il y avait difficulté entre eux, leur dit « Ne craignez aucune multitude et ne faites pas de difficulté à donner l'assaut aux Anglais, car Dieu conduit vos affaires. Si je n'étais sûre que Dieu ne conduisit nos affaires, je préférerais garder les brebis plutôt que de m'exposer à de tels périls. » Ce qu'entendu, ils firent leur chemin vers la ville de Jargeau, croyant en prendre les faubourgs et y passer la nuit. Le sachant, les Anglais vinrent à leur rencontre et de prime abord repoussèrent les gens du roi. Ce que voyant Jeanne, prenant son étendard, alla à l'attaque, exhortant les soldats qu'ils eussent bon courage. Et ils firent tant que cette nuit-là, les soldats furent logés dans les faubourgs de Jargeau. Je crois que Dieu conduisait cette affaire, car, cette nuit, il n'y eut pour ainsi dire pas de garde, de sorte que si les Anglais étaient sortis de la ville, les soldats du roi eussent été en grand péril. Le lendemain, Jeanne lance une première sommation aux Anglais. Rendez la place au roi du ciel et au gentil roi Charles, et allez-vous-en, ou autrement il vous en coûtera. Comprenant la détermination des Français, le comte de Suffolk demande à être entendu de la Hire afin d'obtenir une trêve de 15 jours. Il espère gagner du temps afin d'attendre les renforts. Mais le duc d'Alençon refuse, d'autant que la Hire n'a pas mandat de négocier. Jeanne demeure également ferme et refuse de traiter. Qu'ils partent leur vie sauve, en leurs pourpoints ou tuniques s'ils veulent. Autrement, on les prendra d'assaut. Comme les Anglais ne désirent pas sortir et s'en aller, la bombarde de la bergère est placée de telle sorte qu'elle atteigne une tour d'angle, partie vulnérable des défenses. On fait tirer 3 coups avec la bombarde sur la tour et celle-ci s'effondre, ouvrant un passage pour donner l'assaut. On comble alors les fossés et on amène les échelles. Il fut décidé qu'il y aurait assaut contre la ville et les héros crièrent à l'assaut. Comme il me semblait qu'il était prématuré de commencer l'assaut si rapidement, Jeanne elle-même me dit « En avant, gentil duc, à l'assaut, n'ayez doute, l'heure est prête quand il plaît à Dieu. » Agissez et Dieu agira. Gentil duc, craindrais-tu ? Ne sais-tu pas que j'ai promis de te ramener à ta femme sain et sauf ? Pendant l'assaut de la ville de Jargeau, Jeanne me dit à un moment où je me tenais à une place en me montrant une machine qui était dans la ville. Retirez-vous de cet endroit, sinon cette machine vous tuera. Je me retirai, et peu après, en cet endroit d'où je m'étais retiré, quelqu'un fut tué qui s'appelait Monseigneur de Lude. Cela me fit grande peur. Et je m'émerveillai beaucoup des dits de Jeanne après tous ces événements. Ensuite, Jeanne alla à l'assaut et moi avec elle. Jeanne encourage sans cesse les hommes, mais dans son élan, c'est elle-même qui sera finalement légèrement blessée. En montant une échelle, tenant en main son étendard, Jeanne reçoit en effet sur la tête une grosse pierre qui aurait certainement dû lui briser la nuque. Jeanne perd l'équilibre et tombe de son échelle. À la surprise de ses compagnons d'armes, elle se relève immédiatement et bien qu'elle soit étourdie, elle continue d'encourager les troupes avec vaillance. « Amis, amis,
Ayez bon courage. Notre sire Dieu a condamné les Anglais. À cette heure-ci, ils sont tous nôtres. Ayez bon cœur. Montez hardiment et entrez dedans, car vous n'y trouverez aucune résistance. » Sur ces mots, les Français en grand nombre assaillent la défense anglaise. Ils grimpent les remparts et la bataille dure 4 heures. Mais les Français finissent par pénétrer à l'intérieur de Jargeau. Le comte de Suffolk est fait prisonnier par Jean Regnault, un écuyer, à qui il confère lui-même l'investiture de chevalier et lui remet l'épée qui a servi à cet adoubement. Pendant ce temps, les Anglais sont repoussés en désordre. Mais les Français les poursuivent, même au-delà du pont, enjambant la Loire. Si bien qu'au total, plus d'un millier de combattants anglais sont massacrés. Les mercenaires français de leur côté se conduisent mal et pillent la ville, ce qui met en colère Jeanne, et comme ils ne font pas de quartier avec les Anglais, par précaution et pour éviter les morts inutiles, on préfère envoyer les prisonniers de renom à Orléans par le fleuve. Le 13 juin, les Français quittent Jargeau pour retourner à Orléans où Jeanne et ses compagnons d'armes sont accueillis en liesse et dès le lendemain, Jeanne et les autres repartent immédiatement pour Main-sur-Loire et Beaugency en longeant la rive sud de la Loire. Main-sur-Loire possède un pont fortifié stratégique qui, bien qu'étroit, peut aisément permettre le passage de troupes. Il est donc capital que les Français s'en emparent car les Anglais menacent encore les arrières depuis ce pont. Les Anglais ont établi à Main-sur-Loire des défenses à l'intérieur et à l'extérieur de la ville fortifiée et dans le grand château où les capitaines anglais John Talbot et Thomas Squalls ont installé leur quartier général. Dès l'arrivée des Français à Main-sur-Loire, une première escarmouche a lieu avec les Anglais, à proximité de la cité, mais ces derniers n'arrivent pas à les repousser. Après quoi, l'armée française fait halte et dans la soirée du 14, Jeanne, toujours aussi déterminée, dit au duc d'Alençon « Je veux que demain après dîner, nous allions voir les Anglais à Main. Faites que la compagnie soit prête de partir à 7 heures. » Le lendemain matin, le duc d'Alençon s'exécute et en suivant Jeanne avec la compagnie, les Français attaquent le pont de Main-sur-Loire. Après une journée de combat, les Français prennent sans difficulté la ville et y établissent une garnison. Et le lendemain, nous allâmes vers Beaugency, et dans les champs, nous trouvâmes d'autres soldats du roi. Et là, une attaque fut menée contre les Anglais. Après cette attaque, les Anglais déguerpirent la ville et entrèrent dans le château. Et des gardes furent placés en face du château afin qu'ils n'en sortent pas. C'est alors que, de façon inattendue, le duc Arthur de Richemont arrive de Bretagne, avec de nombreux autres seigneurs bretons et 1200 hommes pour soutenir l'effort de guerre des Français. Seulement le duc Arthur est tombé en disgrâce aux yeux de Charles et des autres seigneurs du parti Armagnac. On lui reproche en effet son mariage avec une fille du duc de Bourgogne, et il est en même temps en opposition avec les conseillers modérés de Charles, dont la Trémoille, avec qui il est même engagé dans une guerre privée depuis un an. Nous étions devant le château quand les nouvelles nous parvinrent que le seigneur connétable venait avec des soldats. Moi-même, Jeanne et les autres dans l'armée, nous fûmes malcontents, voulant nous retirer de la ville, car nous avions ordre de ne pas recevoir en notre compagnie le seigneur connétable. Je dis à Jeanne que si le connétable venait, moi je m'en irais. Charles avait en effet interdit au duc de Richemont de combattre et a même donné l'ordre aux autres capitaines de s'opposer à lui. Mais le duc de Richemont compte bien démontrer qu'il est fidèle et dévoué à la couronne de France, et il veut sa part de gloire dans la reconquête. Le lendemain avant l'arrivée du connétable, vinrent des nouvelles que les Anglais approchaient en grand nombre, en compagnie desquels était le seigneur de Talbot, et les soldats crièrent « Alarme !» Et comme je voulais me retirer à cause de la venue du seigneur connétable, Jeanne me dit alors qu'il était besoin de s'entraider. Les Français se trouvent en effet dans une position inconfortable, car les Anglais vont bientôt disposer d'une puissante armée avec les renforts qui arrivent, et l'armée française commence à fatiguer après des jours de marche et de combat. Jeanne pense qu'il est donc préférable de ne pas tenir compte des querelles politiques et de profiter de l'aide offerte par le duc de Richemont.
Elle organise donc une entrevue avec celui-ci. Lorsqu'elle le rencontre, le duc de Richemont lui dit « Jeanne, on m'a dit que vous me vouliez combattre. Je ne sais si vous êtes de par Dieu ou non. Si vous êtes de par Dieu, je ne vous crains en rien, car Dieu, c'est mon bon vouloir. Si vous êtes de par le diable, je ne vous crains encore moins. » Beau connétable, vous n'êtes pas venu de par moi, mais parce que vous êtes venu, vous serez le bienvenu. Ainsi, un accord se fait finalement avec les Bretons. Pendant ce temps, à l'initiative du capitaine John Talbot, les Anglais se réorganisent du côté de Main-sur-Loire en préparation d'un assaut brutal sur le pont avec un millier d'hommes. Ils espèrent reprendre celui de Beaugency en passant par celui de Main-sur-Loire. Les Anglais qui se sont retranchés dans le château de Beaugency espèrent résister jusqu'à ce que des renforts arrivent pour leur porter secours. Mais coupés de toute communication, ils ne savent pas que Talbot revient avec une armée par Main-sur-Loire. Les Français doivent tenir à la fois Main-sur-Loire et Beaugency. Ils veulent donc éviter de prendre le château de Beaugency par la force et font preuve de ruse en négociant avec les défenseurs et en leur faisant croire que toute la région est prise et que personne ne viendra pour les sauver. La garnison du château est dupée et négocie alors sa reddition, libérant définitivement Beaugency. Les Anglais rendirent le château et se retirèrent. Comme à ce moment-là, j'étais lieutenant pour le roi dans l'armée, je leur accordais sauf-conduit. Et tandis que les Anglais se retiraient, vint quelqu'un de la compagnie de La Hire qui me dit, ainsi qu'au capitaine du roi, que les Anglais venaient et que nous les aurions bientôt face à face. Ces Anglais se réunirent en une seule armée, de telle façon que les Français voyaient que les Anglais voulaient se présenter en ordre pour les combattre. Ils mirent donc leur armée en bataille et s'apprêtèrent à attendre l'assaut des Anglais. Dans la soirée du 17 juin, les deux armées s'observent, mais aucune attaque n'est donnée. Les Anglais envoient alors deux héros portant aux Français un message disant qu'il ne tient qu'à eux de porter l'assaut. Mais Jeanne pressent que ce n'est pas encore le moment et leur répond « Allez vous loger pour aujourd'hui, car il est assez tard. Et demain, au plaisir de Dieu et de Notre-Dame, nous vous verrons de plus près. » Mais finalement, le capitaine John Talbot apprend la reddition de Beaugency. Il décide donc prudemment de ne pas attaquer et de repartir en direction de Paris. Les Français ne tardent pas à savoir que leurs ennemis partent rejoindre leurs renforts, et ils ne savent plus quelle décision prendre. Les Anglais vont en effet se réunir et pourraient former une armée supérieure en nombre qui alignera probablement 5000 hommes avec des troupes fraîches. Faut-il donc poursuivre l'arrière-garde anglaise et retourner à Orléans, sachant que l'armée française est fatiguée? Alors le seigneur duc d'Alençon, en présence du seigneur connétable, de moi-même et de plusieurs autres, demanda à Jeanne ce qu'il devait faire. Jeanne, quelle est la conduite à tenir? Ayez tous de bons éperons. Que voulez-vous dire? Faut-il nous enfuir? Non, ce sont les Anglais qui s'enfuiront. Ils ne se défendront pas. Sans guère de perte de vos gens, et il vous faudra de bons éperons. Frappez hardiment, ils prendront la fuite et ne s'arrêteront pas ce jour. Il faut les combattre. Nous les aurons, car Dieu nous les a envoyés pour que nous les châtions. Le gentil roi aura aujourd'hui sa plus grande victoire depuis longtemps. Mon conseil m'a dit qu'ils seront tous nôtres. Jeanne prophétise donc une victoire avec peu de pertes, ce qui motive les capitaines français à poursuivre les Anglais. Le 18 juin, au matin, est donc décidé de partir à la poursuite des Anglais qui tentent de se replier. Ces derniers passent par Huissot. L'armée française y arrive vers midi où Jeanne est reçue au château. L'avant-garde française poursuit de près les Anglais. Elle est composée entre autres des troupes de La Hire, Poton de Xaintrailles et ses deux frères, Giraud de la Palière, Ambroise de Lauré et les frères de Jeanne, Jacques et Pierre. Jeanne désirait avoir la charge de l'avant-garde, mais on préfère la garder derrière avec le corps de bataille qui suit à distance. Il est commandé par elle-même, le duc d'Alençon, Jean de Dunois, le duc de Richemont, Gilles de Ré, Raoul de Gaucourt, Thibaut d'Armagnac et les frères Laval. Les seigneurs anglais sont avertis par quelques éclaireurs que l'armée anglaise est suivie de près par les soldats français. Alors les capitaines anglais ordonnent que l'avant-garde, qui achemine les ravitaillements et l'artillerie,
aille prendre place plus au nord, vers Pathé, le long des haies qui forment des remparts naturels contre les charges. Pendant que l'avant-garde anglaise va se positionner vers Pathé, le seigneur de Talbot souhaite freiner la cavalerie française en leur tendant une embuscade au Bois Bello, composé de deux bosquets formant un passage étroit par lequel les Français devraient s'engouffrer. En début d'après-midi, il fait donc disposer environ 500 archers d'élite armés de leurs redoutables arcs longs, tandis que le gros des troupes, notamment celle de Falstaff, reste en retrait. Mais les archers anglais ont à peine le temps de s'installer que leur position est révélée par un cerf qui tente de s'enfuir en passant au milieu de leurs troupes, ce qui provoque un cri de surprise parmi les soldats. La clameur des Anglais trahit leur position et les éclaireurs français peuvent ainsi faire leur rapport en détail. L'avant-garde française décide alors d'attaquer les archers par les flancs. 1500 hommes se ruent brutalement sur eux et c'est la débandade chez les archers britanniques qui finissent taillés en pièces. Afin de la soutenir contre la charge française, le seigneur de Falstaff galope vers l'avant-garde qui s'était positionnée en retrait le long des haies vers Pathé. Mais le chevalier qui commandait l'avant-garde, en pensant que tout était perdu, a pris la fuite avec ses hommes vers Janville. Falstaff ne peut alors que contempler la charge de la cavalerie lourde française arriver sur ses unités mises en déroute sous le coup de la panique. Ses hommes tentent de rejoindre une position surélevée, mais n'ont pas le temps de s'organiser et se font aussi massacrer. Falstaff parvient à s'enfuir avec une poignée de survivants pour rejoindre l'avant-garde, mais ce n'est pas le cas de son compagnon d'armes, Talbot, qui a été fait prisonnier, ainsi que le seigneur de Squalls et 200 autres prisonniers de valeur. Du côté anglais, les pertes s'élèvent à environ 2000 tués. Le corps d'élite des archers anglais est totalement décimé, au point qu'il ne sera jamais reconstitué. Pour les 5000 combattants de l'armée anglaise engagée, ces pertes sont terribles. 110 étendards sont pris à l'ennemi. Du côté français, on dénombre très peu de pertes, comme l'avait promis Jeanne. Peut-être une centaine d'hommes, mais certaines sources parlent de seulement 3 tués, voire un seul. Lorsque Jeanne arrive sur le champ de bataille, elle est horrifiée par le désastre, particulièrement attristée de voir un tel massacre. Elle a toujours beaucoup de compassion pour tous ces hommes qui meurent au combat. Jeanne étant pieuse, avait grande pitié de tels massacres. Alors qu'un Français emmenait quelques Anglais prisonniers, celui qui les conduisait frappa l'un des Anglais à la tête, si bien qu'il le laissa pour mort. Jeanne, voyant cela, descendit de son cheval. Elle fit se confesser l'Anglais, lui soutenant la tête et le consolant de tout son pouvoir. Après cette grande victoire qui marque un tournant décisif dans la guerre de Cent Ans, Jeanne et ses compagnons d'armes s'installent pour la nuit à Pathé, dont la population a repris le contrôle des remparts dès que les Anglais ont déguerpi. Jeanne et ses compagnons d'armes s'en retournent à Orléans le 19 juin, où ils sont encore reçus dans les acclamations. Ils font la tournée des églises pour remercier Dieu, la Vierge Marie et tous les saints du paradis. Jeanne est adulée et ses compagnons rappellent à tous que sans elle, il n'aurait pu y avoir si grande merveille de fête. La nouvelle victoire fait rapidement le tour de France. Mais à Paris, ville qui a trahi le dauphin, on craint déjà qu'elle ne soit assiégée bientôt. Malgré le bon déroulement de la reconquête, Jeanne et ses compagnons sont de nouveau déçus, car Charles, sous l'influence de la Trémoille, a décidé une fois de plus de ne pas venir à Orléans pour fêter ses nouvelles victoires, mais de rester au domaine de son conseiller à Sully-sur-Loire. En effet, la Trémoille a appris que Jeanne et le duc d'Alençon ont accepté l'aide militaire de son rival, le duc de Richemont, ce qui l'a considérablement irrité. Il a donc réussi à convaincre le dauphin de ne pas se rendre à Orléans. Jeanne et le duc d'Alençon se rendent donc eux-mêmes à Sully-sur-Loire pour défendre la cause du duc de Richemont et celui-ci obtient finalement le pardon du dauphin. Mais Charles ne l'autorisera pas à se rendre au sacre. «
Charles part de Sully pour se rendre à Châteauneuf-sur-Loire afin de tenir un conseil. En chemin, le 21 juin 1429, il est de passage avec Jeanne à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Jeanne est fatiguée et Charles, prenant pitié d'elle, lui recommande de bien se reposer. Elle se met alors à verser des larmes, non par fatigue, mais parce qu'elle sait que Charles doute encore de sa mission. Elle lui dit « Ne doutez pas, car vous recouvrerez votre royaume et serez couronné sous peu. » On pense alors que s'est déroulé à Saint-Benoît-sur-Loire un événement hautement symbolique organisé par Jeanne. D'après le Breviarium Historiale, une chronique rédigée peu de temps après, en été 1429, pour tenir informé le pape Martin V, dont Charles avait le soutien. La chronique rapporte comment Jeanne, dans un rituel, avec Charles et en présence de secrétaires, a fait donner à Dieu le royaume de France par son intermédiaire. Un jour, la pucelle a demandé au roi de lui faire un présent. Cette prière fut aussitôt agréée. Jeanne ne demanda rien de moins que le royaume de France. Le roi, étonné, fit le cadeau après un instant de réflexion. Jeanne l'accepta et s'en fit faire, par les quatre secrétaires du roi, une charte dont il fut donné une lecture solennelle. Le roi en était un peu ébahi et Jeanne, en le montrant à l'assistance, tint ce propos. « Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. » Presque en même temps, par devant les mêmes notaires, elle livra au Dieu Tout-Puissant le royaume de France qu'elle venait de recevoir en don. Puis, au bout d'un instant, obéissant à un ordre de Dieu, elle investit le roi Charles du royaume de France. Et de tout cela, elle fit dresser un acte solennel. Ainsi, Jeanne, dans ce rituel, a fait renouer le lien éternel entre la France et Dieu. France que l'on dit fille aînée de l'Église, pour son adhésion précoce à l'Église catholique romaine. D'après le chroniqueur Flodoard de Reims, qui au Xe siècle a rédigé l'histoire de Reims, Saint-Rémy aurait dit à Clovis, la veille de son baptême, « Le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes, et il embrassera toutes les limites de l'Empire romain. Il durera jusqu'à la fin des temps. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera justement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Même si Jeanne ne connaissait sans doute pas cette dernière prophétie, il semble pourtant bien qu'elle était parfaitement consciente de la nécessité de faire renouer cette mission dont a été chargée la France et ses rois. Comme nous l'avions souligné, elle en avait déjà averti Charles alors qu'elle était à Chinon, lors d'une entrevue rapportée par le duc d'Alençon. En tant qu'intermédiaire entre Dieu et le roi, elle se fait ainsi reine de France durant quelques secondes, puis donne au Christ le royaume qu'elle vient d'obtenir par Charles. Et le Christ, devenu roi de France, donne à son tour le royaume à Charles, dont la mission, en tant que lieutenant du Christ, sera de garder la France fidèle à la foi catholique romaine et à la véritable justice. Charles, sans doute abasourdi par ce rituel, en ressortira certainement convaincu. Même si ses conseillers auront beau essayer de le convaincre du contraire, pour lui, il faut maintenant aller à Reims, car c'est là que sont couronnés tous les rois de France depuis Clovis. C'est là que la sainte ampoule contenant l'huile d'onction du sacrement des rois est conservée. Finalement, le lendemain, Charles, lors d'un conseil à Châteauneuf-sur-Loire, donne l'ordre de faire rassembler l'armée à Gien et envoie des lettres d'invitation à toutes les bonnes villes et vassaux, leur proposant de se joindre à son sacrement. Jeanne fait son entrée triomphale à Gien le 24 juin, accompagnée de ses fidèles compagnons de guerre. Le lendemain, elle fait aussi écrire des lettres à la ville de Tournai et au duc de Bourgogne pour les inviter à se rendre au sacre. Elle espère que les Bourguignons reconnaîtront Charles comme roi de France. Bien que la Trémoille et d'autres conseillers du roi pensent qu'aller à Reims est toujours une mauvaise idée et que cette entreprise ne réussira pas, nombreux sont ceux qui se rallient au dauphin, ce qui plaît encore moins à la Trémoille,
car beaucoup de gens viennent voir Charles et il semble que ses conseillers soient jaloux de Jeanne et irrités que leur politique pro-bourguignonne ne soit pas appliquée comme ils l'entendent. Personne, cependant, n'ose s'opposer à la Trémoille. En effet, il est un puissant seigneur et parvient toujours à défendre ses intérêts. Jeanne est excédée par les conseillers du roi, qui lui mettent sans arrêt des bâtons dans les roues en secret. Mais elle dit « Je le sais bien, mais je ne tiens pas compte de tout cela. » Le 27 juin, elle quitte néanmoins la cour pour aller se reposer à l'écart des ragots, à la campagne, sans doute pour faire le point et se retrouver au calme. Elle revient à Gien le 29, et les conseillers essayent encore de dissuader Charles et Jeanne de prendre la route pour aller à Reims, prétextant que plusieurs cités et villes sont fermées et que les châteaux et places fortes sont bien défendus d'Anglais et de Bourguignons entre Gien et Reims. Mais bien que les caisses de Charles soient quasiment à sec, nombreux sont encore les chevaliers, écuyers et militaires qui se rallient à sa cause gratuitement, promettant de se rendre partout où Jeanne et Charles veulent aller. Sur les hauteurs de Gien se trouve alors rassemblée une formidable armée de 12 000 hommes qui s'apprête à gagner Reims. Par Montmartin, je mènerai le gentil roi Charles et sa compagnie sûrement, et il sera sacré à Reims.